تحدث بالماضي على إمكانية استدعاء مزدوجي الجنسية على غرار عوار عدلي وأيت نوري، وأوضح صعوبة المهمة بسبب تواجدهم مع منتخب فرنسا في مختلف الفئات، خاصة وأنه لم تكن من قبل سابقة منذ منتخب الأفلان. أوسام عوار il est en équipe de France. Au jour d'aujourd'hui, Oussem Aouar est en équipe de France. De parler trop de lui, de se dire pourquoi, mais pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il est en équipe de France. Donc, maintenant, vous allez me dire oui, il est en équipe de France, mais il n'a pas encore joué avec l'équipe de France A. Donc, il est sélectionnable. Difficilement sélectionnable si on regarde le passé. Est-ce qu'on a déjà eu de toute notre histoire de l'Algérie, à part nos vaillants prédécesseurs que sont les... Et je vais remonter loin. Les joueurs du FLN, des Merloufi par exemple, qui ratent une Coupe du Monde pour venir rejoindre l'équipe d'Algérie, créer cette équipe d'Algérie d'ailleurs, et faire ce qu'il a fait, en risquant tout ce qu'il a risqué. À part ça, est-ce que vous avez dans le passé, vous, des joueurs d'équipe de France, qui sont l'équipe de France, et qui disent, bon, maintenant j'arrête l'équipe de France, je fais la démarche, je change de nationalité sportive, et je vais en équipe d'Algérie. Ça n'a jamais existé. Donc là, si ça se fait, ça sera une première. Disons que ce n'est pas impossible. Comment ? Quelle pareil ? On est tous d'accord. Donc maintenant, si ça se fait, ça sera une première. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que ça n'a jamais existé. Donc ces trois joueurs-là savent très bien que nous sommes intéressés pour les ramener à l'équipe nationale d'Algérie. Très bien. Et si maintenant, ils veulent déplacer le problème et transférer la maladie, et ils disent non, moi, on ne m'a pas contacté, on ne m'a pas parlé. Je ne sais pas s'il y a un intérêt de l'équipe nationale d'Algérie. Si vous dites ça, la deuxième question c'est, ok d'accord, on ne vous a pas contacté, mais est-ce que ça vous intéresse? Ils doivent vous répondre, oui, non, et leur problème est réglé.